Trop bien. Bon, quoi, on a perdu tout ça? On a tout perdu? Non, c'était les items, ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, je sais pas, on a perdu beaucoup de choses. 72 heures restantes. 72 heures restantes. Bon, c'est parfait. Alors. Rixar, veux-tu une astuce pour ralentir le temps? Non! T'as perdu tes bâtons, oui! Oui, il aime bien ça, le bougre, c'est un petit chenapan. Bois cascade. Let's go! Oui, je sais, ça mousse. Oh. Alors, bon. Casse-toi. Le sanctuaire est pas sorti, du coup on va l'appeler. Ça va être ça. Bon, j'ai une dictée devant. Eh ben, bon courage, Samus. Ah, c'est pas ça qu'il fallait faire? Genre. Ah, fallait se mettre en. Allez! Je me découvre. Au revoir le chat. Au revoir à F. At à la prochaine vidéo glitch sur YouTube. Salut Flux. Bon, le début de la journée là. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Let's go! Bah, dis-nous un mojo. On sauvegarde et on y va. Donc comme ça, si vraiment on a des problèmes au niveau du. Bah, si c'est un peu galère niveau temps, on pourra recommencer. Enfin, on recommencera à la sauvegarde. Ok, ça c'est bon. Ça si on est emmerdé, on s'en sort. Et... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est, ok. Alors les fées. Première fée. Deuxième fée. Ok. Alors. Un bâton. Nickel. Allez. Il est hyper fluide le jeu. C'est ouf quand même. C'est hyper agréable à jouer. Ça c'est bon. Ah, c'est sûr que par rapport à Nintendo 64, la... Ah oui, ça a beaucoup changé niveau fluidité. Bah, tant mieux, parce que ça m'aurait saoulé que ce soit pas fluide. Ok. C'est fait. Ensuite, on se barre. Y'a un coffre, non? Voilà, y'a un petit coffre.
C'est marrant, on était en train de voler, il nous retrouve sans voler à un autre endroit. Enfin, c'est bizarre. Ok, rubis bleu, c'est de la merde. Ensuite. On a fait cette salle pour un rubis bleu quand même. Y'a pas une fée qui traîne? C'est bizarre quand même. On a quand même pas fait ça pour un rubis bleu, c'est débile. Ah non, c'était la carte et on l'avait déjà. Ok, c'est bon. Je me souviens. Je me souviens maintenant. Mais putain, mais sale con de merde! Mais barre-toi! Il est débile! Bon, j'ai à peu près compris le concept. Je pense qu'il va falloir faire un changement dans notre stratégie. Le chemin est beaucoup trop long par là. On peut le pousser là. Nickel. Nickel, c'est bon. Les sales connasses. Ok. Voilà, 1, 2, 3, 4, yes. Et arrête, range ton truc! Voilà, c'est bon. On a deux bâtons, super. Là-haut, donc là, ça, on peut pas le faire encore. Ça, on va rallumer ça. Il me fait chier, lui, barre-toi! Bon, au final, ils sont obligés de le laisser puisque c'est lui qui nous permet de réussir le truc. Donc tant mieux qu'il soit là toujours. Ok. On se fait bouffer par quoi là? Il fait le saut la Link, il est assez fort. Ah ouais. Donc faut aller. Ok, on a compris. Mais putain. C'est quoi ce bordel? Bah non, on est mort. Non, mais sérieux! On a une fée. Oh là là là, insupportable, insupportable. Ok, bâton. Ouais, Cuivro. J'avais jamais fait Majora's Mask, du coup je le découvre là, c'est trop stylé en vrai. Bon après, ça m'énerve mais c'est normal quoi, je m'énerve vite. Allez, c'est bon, on a fini. En tout cas, bienvenue. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. On a combien de cœurs là? Un cœur, ça suffit. Oh, t'as dû en voir y jouer. Bah, plutôt Ocarina of Time en fait. Je crois. Hein. C'était essentiellement Ocarina of Time. Bah, là où j'ai des bons souvenirs, c'était OOT. Après, peut-être aussi, il y a dû y avoir du MM. Mais j'ai pas de vrais souvenirs, on va dire. Attention, le mal est parmi nous, je le sens. Ok, on va voir le mal. Ah, bah, y'a un mini boss alors! S'il nous file tant de bâtons que ça, c'est qu'il y aura peut-être besoin d'un bâton. On est mort. Ah non, c'est bon. Heureusement qu'on a, on a trois cœurs là. Bizarre. Bon. Ok. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Alors. Qu'est-ce qu'on voulait? On a allumé ça. On a vu, il y a les quatre coins de la pièce. Oui, il y a les quatre coins de la pièce.
Et arrête. C'est pas le con. 1, 2. Rien. Y'a pas les 4 quoi. Oh putain, quel débile. Arrête. Ok. Attends, plus qu'à. J'ai perdu trop de vie là-dessus. Ok, bah on a fait le tour. Oh. Ouais, un coffre. Qu'est-ce que ça peut être? La boussole? Non, une fée. Nickel. C'est vrai qu'on a, on refera un tour quand on aura l'arc. On fera un tour avec la boussole. Enfin, avec le masque de fée. Parce que là, on a combien de fées, là? Inventaire. Où est-ce qu'on voit? Merde, c'est écrit où? Quête. Bon, je sais pas combien on en a. Ah, c'était écrit quand on l'a chopé. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. On verra la prochaine. Alors. Ah, peut-être qu'on on va aller looter en bas avant. Vu qu'il y a un escalier, on est pas mal. Avant d'aller faire les cons. Oh putain, y'a. Y'a une fée là-bas. Mm-hmm. Ok. Cinquième. Ah ouais, il en manque encore. Hein. Il en manque une dizaine. Alors, donc les trous, ils vont où? J'ai peur de tomber dedans. On peut pas trop voir en plus. Attendez, on va regarder avec... Bon, on dirait le trou du cul du monde. On va éviter d'y aller. On va éviter... Jamais j'y arrive, jamais de la vie. Putain, bon c'est pas grave. Heureusement qu'ils ont mis l'escalier, ils sont sympas. Par contre les bruits de mobs de OT et Majora's Mask sont trop glauques. Moi j'aime bien, je trouve... glauque, oui. Non. Allez, casse-toi. On recommence. Alors... On est à combien le jour là? Non, on est... Ouais, ça va. On est toujours la première nuit. Pas premier jour. Oh non, mais sérieux, on va se prendre la même balle. La même. Non, c'est bon. Allez, aller-retour. 1, 2, 3, go! Bah, c'est bon. C'est vraiment con de les avoir fait bouger les plateaux. Ah, c'est bon. C'est bon, 1, 2, 3, go. Alors. C'est chiant parce que... Le bouton... Ah non. Ah non, c'est bon. Alors ça, il faut être... Ok, un humain. C'est marrant, avec un masque, on n'a pas le même poids du coup, c'est quand même assez drôle. On est plus lourd sans masque avec un masque. Ça, c'est marrant. Donc ça, oula, ça sent... Non, ça sent une sole normale. Alors, peut-être pas descendre maintenant. On descendra après. Parce que... Ah si, on a les échelles maintenant, donc c'est bon, on peut toujours remonter. Donc là, on arrive à la deuxième partie. Donc on va passer à l'étage. Là, on peut aller à l'autre côté. Est-ce qu'on peut lancer les bâtons? On peut pas, hein. Il faut un arc et des flèches. Je pense qu'il va nous falloir l'arc. On va essayer... Non, ça c'est fermé. Bon, on va essayer d'aller là. Hein. Salut Ethan. Comment ça va? Alors. Alors. Ah bah merde, on est là, je suis con. Quel débile. Bon, on y retourne. Alors ce que je comprends pas, c'est... Qu'est-ce qui reste? Alors attendez. Ah oui, mais on l'a pas fait le truc là-bas. Je crois qu'on peut...
Si, on a déjà fait toutes ces pièces là, non? On va aller au cœur. On va aller au cœur. Il faut y aller avec un bâton ou pas, non? Non, faut juste y aller. Bon, on va voir ce qu'il y a. On va se faire bouffer par la plante, non? Je sens bien une sorte de plante carnivore, mais en bois, qui va nous aspirer et nous bouffer. Alors, bah alors, c'est quoi ça? Les cendres ont l'air encore chaudes. Alors, on a quoi comme chant? Du temps, l'apaisement, l'envol, l'éveil. On essaye l'éveil. Ça marche pas. Il y a des cendres. Mais il faudrait mettre du feu, non? Non, je sais pas. Donc alors, on va essayer d'aller là-bas quand même. Je sais pas si... Non bah non, on a déjà été là-bas. C'est là où, de là où on vient. On a déjà fait cette pièce-là. Attendez, je vais regarder la carte un peu. Il y a une pièce là-bas qu'on n'a pas faite. Mais je crois qu'on n'y a pas accès encore. Bah si, on y a accès. Pourquoi on l'a pas faite? Bon, on va faire cette pièce-là. Eh bah salut, bonne nuit à toi Lexalis. Bonne nuit. Ok. Ça la piège. Merde. Bon pour l'instant, ce donjon est quand même plutôt facile hein. La difficulté est... On remarque au final on n'a pas encore trop d'objets donc c'est pour ça aussi. Allez viens m'attaquer toi. Est-ce que le jeu est plus facile sur 3DS que sur 64 ou pas? Non, je pense que ça doit être le même hein, au niveau de la difficulté. Ah, je sais pas. C'est trop bien qu'il saute dans le coffre, tout ça, trop marrant. Ta-da-da-da, la boussole. Ok, on a la boussole, du coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas une fée ici? Alors, attendez, il faut que je gère l'inventaire pour masque de fée. Il fait trop peur, ce masque. Moi, on en a du bâton, mais bon, on va les reperdre après. Alors, bon. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, on l'a déjà fait, on a tout allumé, après on est allé à gauche. Il n'y a pas de fée. Apparemment, on n'a pas raté de fée ici. Il se serait mis à scintiller, mais... Oh non, je refais pas ce chemin, en vrai. Oh non. Je veux pas refaire ça. Oh, les bâtards. J'avais oublié. Oh, quoi que ça va se faire bien. Faut juste aller très vite. Je pense qu'on peut l'optimiser. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Galère pas. Galère pas. Oui. C'est bon. Ok. Alors. Ça c'est bon. Ensuite. On revient là. Donc au niveau des pièces, pas faites. Par là, il faut qu'on aille à droite. À droite c'est possible? Oui, on va à droite. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh! Un boss. Un mini-boss. Nickel. Alors, comment on fait? On va apprendre à se battre.
Alors comment on part? Ah, comme ça. Merde, ça marche pas. Oh le bat. Ça. Genre, comment on l'esquive? Bon, ça va. Je sais pas combien il a perdu de cœur, mais non, pas beaucoup. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur parce que j'ai pas réussi à le maîtriser. Bon, vu que c'était... Est-ce que c'était un mini-boss ou juste un monstre? À mon avis, c'était pas un mini-boss du tout. C'était juste un monstre de merde. On va rien gagner. Quoique le coffre est quand même deux fois plus haut que notre tête. Et si, c'était bien un mini-boss. L'arc du héros. Nickel. Bon, on a l'arc. Bon, alors ça va commencer à être un peu galère au niveau de l'inventaire. On va mettre l'arc ici. Non, ça va. Peut-être que... Non, ça, on va le switcher souvent. Bon, bah. Alors, X, Y et I. Y a pas de fée, hein, ici, hein. Je crois pas. Hein. Ah, mais en fait, le masque de fée, il se met en 2-2. Il est très rapide à mettre, non? Ah, d'accord, on devient un Link normal. Oui, on peut pas mettre deux masques en même temps, je suis con. Donc, ce qui nous donne accès à la pièce de là-bas, on peut pas encore y aller. Ah si, on peut y aller. Oh là là, cette visée de merde. Oh là là, donc. Oh. Bon, ça va. Un coup, un tir. Ah, ça va être difficile. Je sens les épreuves de... Les épreuves de visée, ça va être un calvaire. Alors, nous, on va là-bas. On met... Ça, on va dans la pièce en face du coup. Et puis après on va à la salle du boss, je pense. Ça va se faire plus ou moins. Ah non, il manque les fées. Faut qu'on trouve toutes les fées aussi. Ok. Alors. Oh. Tranquille. Attends, il appelle ses potes. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok. Il est où? Il est là-haut. Ok. Donc l'arc. Merde. Il est... Je le vois pas. Ah. Ok, c'est bon. Trois coups d'eau, un mort. Au revoir. Salut à ceux qui vont se coucher. Bonne nuit. C'est un live où... Bah oui. C'est un live. T'es sur Twitch, hein. C'est un live. Ah, une... Alors, à quoi ça sert, ça? Il faudrait un champ, en fait, pour eux. Y a pas un champ pour... On n'a pas déjà un champ pour les grenouilles? Le chant, la sonate de l'éveil, de l'apaisement. Bon, attends, on va essayer. XY. Non, ça fait rien. Et l'autre, j'essaierai le chant du réveil. Ok. Ah, il manque, faudrait qu'on aille chercher le coffre qui est caché derrière. Qu'est-ce qu'il y aura derrière? Ça a l'air quand même vachement cool.
Un masque? Ce serait-il pas un masque? Il y a 4 donjons, nous, il y a force. Ah non, il y a peut-être plus de 4 donjons en fait. Hop, le Majora's Mask, c'est bon, là on va le rendre et puis c'est fini, on a fini le jeu. Ah non, c'est la... Ah bah oui, la clé du boss, je suis con. Putain, je suis con, j'avais oublié ça. Bon, c'est bon, on peut aller faire le boss. Non, faut qu'on trouve les fées avant. Faut qu'on trouve les fées. Ça scintille pas là? Ça par exemple. Ok. Du coup, il y a une fée à chaque fois sur ces trucs-là. Ok, il faut qu'on trouve toutes les... C'est la 7ème fée. Là, il n'y en a pas. Je sais pas quand est-ce que, comment on détecte qu'il y a une fée ou pas. Bon, je pense qu'il n'y a rien là. Il faudrait qu'on trouve d'autres trucs à guêpe. Enfin, d'autres nids de guêpe, de ruche, d'abeilles. Ah tiens, bah celui-là il était... Donc là il sait qu'il n'y a rien là. Ah, là ça fait... Non, c'est Taya qui dit quelque chose. Regarde, nous avons une meilleure vue de l'hôtel en bas. Oui, bah, super. Merci, Taya. Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? Ça, on a déjà fait. J'aimerais bien aller dans la première salle. Bon, on retourne dans la première salle. Ok. Masque brille quand il y a une fée. On va voir. Et il brille pas. Oh, connard. Ah bah tiens, ça on va les buter. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, super. Next. Next. Y'a pas moyen de revenir en arrière? Bah on va en bas. Bon, je pense qu'il y a moyen de remonter après quand on est descendu, non? Je vois pas d'escalier. Oui, il y a forcément moyen de remonter. On remet le masque. Il brille pas là? Il y a forcément une fée en bas. On va tuer tous les monstres, peut-être qu'on va débloquer un truc. Peut-être qu'on débloque l'escalier quand on a tué tous les monstres. Ça paraîtrait peut-être logique. Ah, il n'y a pas besoin d'escalier, il y a une échelle. Ah, là-bas. Il en reste. Eh bien, ça ne servait à rien de tous les tuer, je crois. Il n'y a pas une salle où il y avait plein de trucs d'abeilles, là, enfin de ruches? C'est ça que je cherche, je sais plus où aller cette salle-là. On peut sauvegarder, déjà. Tu vois des petites poussières roses au-dessus des cheveux. D'accord. On verra. Des petites poussières. Bah tiens, il y a un truc de guêpe là. Mais connard. Oh. Bon.
pour 5 rubis. Hein. On ferait n'importe quoi pour 5 rubis. Bon, il y avait bien pas de fée ici. On se barre. Alors. Donc là, on va aller là-bas. Allez, on retraverse tout, puis on va au boss, hein, en vrai. Il reste trop de fées à trouver. Hein. C'est marrant quand même qu'on en ait trouvé si peu. Surtout, il n'a que 10, hein. Il n'a pas 15. Je trouve que c'est quelqu'un qui a dit n'importe quoi. Mais je sais pas quand même. Je vois pas où on pourrait en trouver encore 7 alors qu'on a fait toutes les salles. Ah non, 8 encore, on en a que 7. C'est quoi là-bas? Ouais, c'est une plante. Là, il faudrait aller de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté, il faut... Comment on fait pour aller de l'autre côté? Avec les échelles, ok. Et bah, go. Oh merde. Il y en avait une là, normalement. Bah... Je l'ai pas vu briller, merde! Bon, on essaye là aussi. Alors. Ah, il faut faire ça là-bas. Bon, bah l'arc. Il est où l'arc? Sérieux? C'est si loin? Bah merde, comment on va faire? Pourquoi la torche? Ah si, peut-être qu'il y a... Ah si, j'ai compris. Ok, faut bien se placer là. Ah, c'est stylé. Alors, au moins on aura tout fait. Hein. Ça passe si on fait les deux? Non, c'est pas ça. Merde. Merde, il y a un truc que j'ai pas pigé. Comment on peut faire? Faudrait que j'allume ça en bas. Mais pour l'allumer... Bah, peut-être avec un bâton. Hein. On peut pas le balancer, le bâton? Tiens, c'est pas ça que je vais faire. Faut bien... Mais faut bien viser. Ah d'accord, ok. Moi je pensais que... D'accord, j'ai pas compris. Ah, ça se trouve j'ai pas compris. Hein. Ça se trouve je vise presque au bon endroit, mais c'est juste pas compris le concept. Mais bon, on essaye. Ah oui, la flèche est en feu là-bas. C'est... La vache! C'est hyper complexe. Ah, bon, au moins, ça s'est fait. Et du coup, on peut faire pareil pour... Bon, nickel. Heureusement que tu m'as dit que c'était possible. Tu vois, ça, c'est le genre de spoil que j'aime bien. Quand je teste un truc, que ça marche pas et je pense que c'est mort. Non, c'est pas mort. Bon. Alors, on va jamais y arriver. Vous pariez combien que je me viande? 1, 2... Et bah voilà. Voilà, super. T'as vraiment des bâtards d'avoir mis ça sur un truc tournoyant. 1, 2. Mais putain, mais je suis trop con! J'étais tenté de laisser tourner en rond. Bah, j'aurais fait autre chose, j'aurais été me balader, je me serais dit, bah non, c'est pas ça la strat. Je trouve qu'il était plutôt mal placé le truc, c'était pas cohérent que ce soit placé comme ça. Non mais j'ai putain, mais je fais... Oh mais pourquoi? Pourquoi je compense? Mais pourquoi? Mais pourquoi aussi ce connard il fait un putain de salto alors qu'il pourrait juste faire un pas chassé cet enculé? Il est vraiment trop con ce Link. Mais putain. Voilà. Bon. Bon là ça va commencer à être relou.
Oh là, ça va être chiant. Ça va être un cancer. Oh non, mais sérieux, ils font chier. Genre. Ok, nice. Cette précision. Je sens que... En plus, on est dans le premier donjon. Hein. Je sens que dans le dernier donjon, on va se chier dessus. Hein. Ah bah, c'était pas ça? Ouais, mais attends, qu'est-ce qu'on a activé, là? J'ai même pas vu ce qui s'est passé. Ça a ouvert la porte du... Non. Ah si, ça a ouvert la porte. Par contre, moi, je vais appuyer sur le bouton. Hein. Attendez, qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde avant? Bon, il y a une sauvegarde juste devant, quand même. Ils sont pas méchants. Oui. Ah bah oui, d'accord. Non, il n'y a pas de sauvegarde. Ah, les fées sont là. Ok. Donc on a baissé le niveau de l'eau, là, c'est ça? Je suis pas sûr qu'on ait besoin de lui. Si, quand même, on a besoin de là. Hop là, direct. C'est quand même bizarre les formes qu'il y a derrière. Y'aurait pas un truc à faire derrière? Ça me paraît chelou. Oh, une fée. Nickel. Ah merde. Ok. Mais connasse! Passé. Ok. Voilà. Arrête! Arrête! Ok, ça c'est bon, on va là-bas. Mais sale pute! Bon, on recommence. Hop, 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 hop. Alors, on va t'enculer, toi, grosse connasse. Pas comme ça. Elle est où l'autre? Là. Là. Ok. Oh, il y a deux fées là-bas. Bon, là, il n'y a plus d'ennemis. Hein. Ok. C'est à 11. Ah non, il y a bien 15 alors. Il y en a bien 15. J'ai été mauvaise langue. Oui, il y en a bien. Peut-être 15. Allez, s'il te plaît. Ok. On va chercher les rubis là-bas. Oh, peut-être pas, en vrai, on s'en tape. Bon, on y va. Il est. On a une demi. Ouais. Un demi-jour pour finir. Allez, c'est bon. Donc ça c'est fait. Ah mais sérieux. Ok. Voilà. Alors ensuite, on va directement là-bas, non? Ah, ils ont éteint les flammes. Enfin, ils ont rallumé les flammes. On va passer là. Hop là.
Mais en vrai, on va sauvegarder avant ou pas? Ou ils vont vraiment nous faire la blague de pas mettre de sauvegarde? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il faut que j'aille sauvegarder ou ils vont quand même mettre une sauvegarde avant le boss, non? Bon après, on est des PGM, on va réussir à pas mourir, mais quand même. Tu n'as pas de save à l'entrée du boss. Bon, bah on se barre. Hein. Oh, ils font chier avec ces trucs-là, là! Ouais, on va sauvegarder. Hein. Je tente pas. Hein. Bah, remarque, de toute façon, là... Bon, et on fait tout le chemin. Oh mais putain! Et comme par hasard, on peut pas accéder au putain de glaçon. Ah c'est nul! C'est vraiment des connards d'avoir fait ça. On se barre, on ressort l'arc, on tire une flèche. Ok. On recommence. Ils vont me tuer dans le jeu, ils vont me défoncer. Allez, tu vas jusqu'au bout, hein. Allez, un. Non, si tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas. Putain, mais fais pas chier, fais pas chier, fais pas chier. Ok. Oh non, mais sérieusement, je me suis fait baiser comme ça, là. Bon bah, nickel. Allez, on se barre, on va sauvegarder. J'avais oublié ça. Oh là là, mais ils font chier. Hop. Ah mais putain, bon. Allez, sautille mon pote. Bonjour Pixelito. Allez, fais pas chier. Voilà. Bon, et eh ben on va sauvegarder. Il va nous rester un jour pour le tuer. Je pense que un jour, il y a intérêt que ça passe. Et choper les fées aussi. Oh. Ah par contre oui les fées, j'ai pas envie de les refaire. Oh non, on va devoir se retaper les fées, c'est sûr. Faut qu'on aille par là. C'est pas là. Si c'est là. Si c'est là. Ok. Une petite sauvegarde. Et on est parti pour le boss. Alors je précise tout de suite qu'une fois que tu as fini le donjon, tu retournes dans le temps. Ah. Bon, on trouve l'effet avant du coup. Oh là là. Donc alors attends. Bon bah merci d'avoir précisé ça, ça m'aurait mis sous les fois 10. Bah faut qu'on trouve les fées. Il en reste combien à trouver? Est-ce que... Putain, dans la dernière salle, je sais pas si je les ai toutes prises. Et le masque de fée où tu vois pas qui scintille aussi, ça va être chiant ça. Non. Pour moi, je sais même pas combien il en reste. Je sais plus si on était à 14 ou 13. Putain, mais... Tu en es à 12. Quel cancer. On va jamais en trouver 3. On va jamais en trouver 3. Je sais pas où elles peuvent être. C'est énorme, 3. Non, mais en une journée, j'ai pas le temps. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le boss. Et les fées, on ira, bah, juste après, non? On pourrait tout refaire, en fait. Bon, après, le donjon est pas trop dur. Mais on l'a fait quand même... Ouais, je sais pas. On l'a quand même fait une fois et demie, là, déjà. Le faire deux fois et demie. Alors, on va bien être obligé, de toute façon. Du coup, bah...
Il est quelle heure là? Il est 23h. Et putain! Ah oui, je sauvegarde, je cherche les fées. Cherche les fées, une fois que je les ai trouvées, bah, je vais les chercher une fois sans les chercher et puis ça sera bon. Allez, c'est bon là? Nickel. On se barre. Je sais pas quoi faire. On a déjà tout fait. On a fait tout 10 fois là. Bon, est-ce que dans l'eau là, y a pas des trucs? Y a sûrement une fée dans l'eau. On l'appelle la fée de l'eau. Ah si, y a déjà le bloc là qu'il faut qu'on active. Ça, on l'a pas activé. Et il nous faudrait une fleur. On va aller voir ce qui traîne. Y a bien les trucs qui doivent traîner là dans le coin. Oh. Alors. Les trois fées, mais trois fées, on les trouvera jamais les trois fées. C'est dead, c'est complètement mort. Et on va se retrouver dans le même calvaire dans tous les donjons, dans tous les putains de donjons. On va les connaître, mais sur le bout des doigts, ces donjons de merde. Oh, bon, comment on active ce truc là? Ah bah avec ça. Bon bah ça va, déjà j'ai trouvé une solution. Et encore le donjon de l'autre, t'imagines comment je me vénère déjà sur le premier. Bon, il y a une fée. Bon, c'est forcément une fée. C'est quand même pas 5 rubis, ils ont pas foutu 5 rubis dans un putain de coffre. Ouais, ah mais oui, là je commence à comprendre le concept. Je suis un peu dans le déni là. Non, je suis plus dans l'énervement. L'étape d'après ce sera là. La dépression, c'est ça? 13 fées, putain il en reste 2, bon. On va mettre le masque. Ah bah tiens, on peut les tuer elles, ça se trouve. Ça se trouve, il y a bien une fée qui est cachée derrière les cadavres. Attendez, on est à quelle salle là? Non, c'est pas cette salle là, ça c'est la première. Pour moi, on l'a fini la première. J'en suis persuadé. Celle-ci, je vois pas ce qu'il peut rester à faire. On a tout, on s'est baladé partout. Ensuite. Alors là. Là, il y a forcément un truc. Il y a l'araignée là-bas. Déjà, on va la niquer. Oh bah voilà une fée. Par contre on va jamais la choper. Oh non, mais comment on fait? Ah, c'est barré. Elle est au-dessus. Bon, il y a bien des trucs cachés dans les araignées. Donc peut-être que la dernière fée sera dans une... Oh bah tiens. Ce serait-il pas la dernière celle-ci? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bah c'est bon, on les a toutes hein. Celle-ci, ça donne rien, ça donne des rubis, ça. C'est quoi? Arrête! Arrête! C'est juste une abeille. Ok, et bah, comment on l'a? Elle vole. Elle passe dans le mur. Oh, mais jamais. Ah, mais merde! Du coup, attends, je reviens et je repars. Ah, utilise le masque, ok, nickel. Bon bah cool, si le masque il marche... attends. C'est chiant parce que je suis obligé de prendre la souris à chaque fois pour faire ça, c'est relou. Allez, elle vient la fée là? Oh, elle vient direct. Easy. Bon, on a fini. Vite les ramener à la même couleur. Attends. Vite ramener les quoi? Faut les ramener où? À la même couleur? À l'entrée du donjon, non? Je sais pas où les ramener.
Bon bah s'il y a l'entrée. Parce que j'ai rien vu d'autre qui pourrait ressembler à une fée. Ah dans la... Ok. Ok cool. Ah mais oui, la zone de la fée, bien sûr. Bien sûr. Va quand même falloir qu'on se dépêche. Bon, à mon avis, le boss, ça va pas prendre plus d'une journée, enfin plus de 3 quarts de journée pour le faire. Peut-être on sauvegarde avant, pour être sûr d'optimiser les déplacements. Ok. Alors, où est-ce que ça peut être? Je dirais... Tout droit. Non, de l'autre côté du mur. On va passer... On peut passer au-dessus, là? Non, on peut pas. Super. Par là, il y a quoi? Il y a rien. C'est là-bas. C'est forcément là-bas. Enfin, c'est pas du tout forcément là-bas, mais je suis sûr que c'est là-bas. Allez, on essaie d'esquiver par le côté, là. Et on... Oh non, mais c'est pas une bonne idée, 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 c'est pas une bonne idée. Jamais on va jusqu'à l'autre bout. Bon, on va y aller en Link. Et il nage jusque là-bas, Link. C'est un PGM. Allez, bâtard. 1, 2, 3, 4. C'est bon, tranquille. Nickel. Après, il va falloir qu'on trouve un moyen de ralentir le temps. Je sais pas comment on va faire, mais... Ah non, c'était pas là. Bon, bah super, c'était pas là. On s'est trompé! Super! Oh, mais sérieusement, mais putain de connard! Arrête! Bah voilà, on a tout perdu. On va se faire buter par une mouche. Ok. Ok. C'est là? Oui, ça pue la fée là. Ça, ça pue la fée. Nice. Alors, fontaine des fées. Cours, cours, cours. Stylé. Bon, ça, c'est bien. Il reste plus qu'à se dépêcher à aller vaincre le boss. Ah, puis de toute façon, si on n'arrive pas à finir le boss, eh ben, on le refera une deuxième fois et on arrivera à le finir. Je pense que niveau timing, on devrait s'en sortir. Salutations, petit être plein de sagesse, je suis la grande fée de la sagesse. Tu as rendu à mon corps brisé sa forme normale, sois-en remercié. En guise de remerciement, je veux augmenter ton énergie magique. Donc on a plus d'énergie magique, super, super cadeau, on a vraiment besoin de ça. Bon, peut-être qu'on en aura besoin plus tard. Enfin, tout ça pour ça, ça m'énerve. Non, ça m'énerve pas. On en aura forcément besoin. Ok, enfin, forcément, je suis pas sûr qu'il y en ait forcément besoin, mais... Yes! Ouais, je compte bien sauvegarder avant d'aller faire le boss. Mais... Le boss, ça m'énerve parce qu'on va devoir sortir l'arc et l'arc il m'énerve. Mais bon, on va devoir apprendre à jouer à l'arc. De toute façon, c'est bien qu'il le file au début l'arc, comme ça au moins on va prendre. Parce que au moins on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de difficultés. Oh non, ouais, attends, par contre. Laisse tomber. Hein, on va faire de la musique. Nanana. C'est cool parce que je commence à prendre un petit peu dans la fluidité des mouvements et ça fait plaisir. Bois cascade. Allez, let's go. Et merci Cuivreau hein, d'avoir dit que la fée était dehors parce que sinon je pense que je l'aurais cherché comme un connard dans la tour. J'avais oublié qu'on avait déjà été la voir. Hop là. Surtout là quand t'es pris par le temps, j'ai besoin d'avancer. Mais de rien. Alors, petite sauvegarde. Parfait. Non, pas là, ici. Merde. Bon, on a plus d'une demi-journée. Je pense qu'on est large. Je suis pas sûr, mais je pense. Ça y va direct ou pas? Ça y va jamais.
1, 2, 3, on recommence. Non, c'est bon. Ok. Allez, on se barre. Ok, quel skill. Allez, mine-toi. On va passer là. Raté. Non, non, mais... Dommage. Pourquoi je suis passé par là? C'est complètement con. Allez, allez. 1, 2, 3, go. Voilà. 1, 2, 3, go. Voilà. Ensuite. C'est bien que ça s'enchaîne aussi vite. Ça fait tellement plaisir. Allez, descends. 1, 2, 3, 4. Ah, il y a les bons monstres qui sont revenus. Faut que je me, faut que je m'occupe obligatoirement de ces monstres de merde. Bah tenez, à la flèche. On va pas s'emmerder. Bon, peut-être après. Allez, attaque. On t'attaque pas? Allez, attaque-moi! Allez, viens! Oh non! Mais putain, mais c'est de la merde! C'est vraiment des gros cons! C'est pas possible! C'est insupportable. Le donjon de la mer, je pense que je vais cramer le jeu. C'était de la merde, c'est le donjon de l'eau? C'était quoi? Bon, hop. On s'occupe de tous ces connards là déjà. Voilà. On est plus emmerdé. Et ensuite, on a plus de flèches déjà. 12. Oh non, mais sérieux, on a plus que 12 flèches. Ils ont intérêt d'enfiler des flèches. Hein. J'espère que c'est pas des enfoirés. Bah, si c'est des enfoirés, on l'a bien vu depuis le début là. On y. Allez, on va sur le bloc là. Hop. Ok, ensuite on va là. Ensuite on va là. Go 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 go. 12 heures. Il reste 12 heures. C'est parti. Oh, on a host de le Ratalo Sazur. Merci pour ton host. Bienvenue. Bienvenue à vous. Hop là. Oh oh. Hop là. Des rubis. On a des cœurs, des rubis. On ouvre ça et on se bat. Ok. Ok. Odolwa, guerrier de la jungle masquée. Ok. Oula, oula, oula. Alors comment... Il y a des bombes ? Ok, donc déjà on peut... Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Allez, charge-moi. Bon, peut-être que on va changer de strat. Non. Il perd pas de vie là, on est d'accord. Ça sert à rien de le taper. Oh.
Ok. Us. Ok. Les araignées tombent. Les araignées, comment on les bute? Avec les flèches? Ou peut-être avec les bombes? J'avais pas vu que la bombe. Il charge? Non, il charge pas. Si, il charge. Ah. Il est cool ce premier boss. Je l'aime bien. Il donne des noix. Bah il se retourne direct. Bon, il faut trouver, changer de strat. La prochaine strat, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le shooter? Les bombes? Il va me charger, il va charger dans une bombe. Bon, attendez, il faudrait une autre bombe encore. Bon, on va lui lancer une bombe, hein. Il bouge pas, il est AFK. Non, ça fait rien. Peut-être que... Non, pas ça. Si je prends des noix, que je mets ça là, est-ce que ça sert? Ça marche pas? Il peut pas lâcher des noix, lui? En volant? C'est quoi ce délire? Pas comme ça que ça marche? Il lâche pas des noix en volant? Qu'est-ce que c'est ce délire? Bon, on va tirer avec... Ah! Vite! Bon, ce qu'on va faire, on va peut-être voler, arriver derrière lui. Ah, c'est avec le bouton B. Je l'ai assigné sur X, mais en fait ça se fait avec le bouton B. Ok, ça va être B. Oh le bâtard, il m'a rect. Il m'a foutu un coup de pied aussi. Fais gaffe, fais gaffe. Alors, inventaire, on va remettre l'arc ici. On risque d'en avoir forcément besoin de l'arc. Et peut-être plus tard. Allez. Non? Vas-y, on retente. Hein. Il reste 5 minutes. Oh le bâtard! Il m'a attaqué. Il y a au moins 3 phases au boss, non? Voilà, la prochaine phase? Non? Y'a qu'une phase. Non. Si? Ok. Bon, ça va. Tant mieux. Mais non, y'a une couille, non? Y'a pas une couille? Bon. Un peu répétitif. Enfin, un peu répétitif. Enfin, j'aurais pensé un peu plus... différent. Bah, limite, on se barre, non? Ah, ça. Oh, un masque. Ok, on gagne son masque. Vous venez de vous emparer des restes d'Odolwa. Donc, du coup...
Vous avez libéré. Donc là, on remonte dans le temps. Du coup, on perd nos rubis. Les 100 rubis qu'on a, là, on les perd. Si c'est ça, c'est vraiment des enculés. C'est forcément des enculés. C'est forcément des enculés. Mais on a même pas besoin de l'arc. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas besoin de l'arc. Faut speed. Ah d'accord, on a le temps de les mettre à l'heure. Je pensais qu'ils allaient nous téléporter à la fin. Non, ça va. On a encore le temps. C'est quoi ça? Ça, pour le mettre à la banque, il y en a pour 2 secondes. Alors c'est quoi? C'est qui lui? Oh. Deux secondes, écoute, on dirait qu'il dit quelque chose. On dirait qu'il essaie de nous apprendre une chanson. Allez, reste pas là à rien faire, prends ton instrument. Y, R, L, R, Y. Ah, oh, c'est dur. Y, R, L, R, Y, Y, R, L, Y. C'est vrai que bon, le retenir c'est chiant, mais en final quand tu recopies les touches ça va. C'est chiant parce que j'ai le main d'Xbox et du coup le Y c'est le X, le X c'est le Y, le B c'est le A, le A c'est le B. Enfin c'est un peu relou, un poil chiant. Mais normal, tu dis que de la merde Pixelito, tu vas reprendre 10 minutes, tu te prends tout le temps 10 minutes parce que t'es tout le temps hors sujet, t'es juste relou Pixelito, tu t'en rends pas compte. Tu dis que des trucs qui ont aucun rapport avec le live, c'est trop chiant. Vous avez appris l'autre de l'appel, nickel. On t'a banni 40 fois et on pensait que t'allais comprendre mais t'as toujours pas compris. Au bout d'un moment faut comprendre un petit peu, si on te bannit c'est pas pour rien, on n'est pas con non plus. Faut arrêter de te plaindre aussi, c'est hyper chiant. Voilà, c'est dit, j'arrête d'en parler. Donc appelle-le-nous, c'est ce qu'il dit. J'ai pas vu ce que c'était le chant, du coup j'ai rien fait rater le chant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu m'as fait rater toute cette cinématique. Super. Bon, du coup, on est à la fin du donjon, on a un nouveau champ, je sais pas ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'on... Ah, ça enlève le poison, peut-être. Tu as appris l'hôte de l'appel. Et l'hôte de l'appel, du coup... Bon, on va aller lire. On va lire la description. Salut, Matt Game. Il faudra t'en servir pour les appeler. D'accord. Faudra t'en servir pour les appeler. Bon, bah, on va... Appeler qui? Appeler qui? Qui est-ce qu'on a besoin d'appeler? Attends, qu'est-ce qu'on fout là, là? On est où? Les quatre personnes dont Taël parlait, penses-tu que l'esprit qui était enfermé dans ce masque soit l'une d'entre elles? Bah, je pense. S'il y a quatre donjons, un au nord, un au sud, un à l'est, un à l'ouest, il y a forcément un rapport, quand même. Oh, hé, hey, tu t'en es plutôt bien sorti, on pourrait croire que tu as déjà fait ce genre de truc. Bah ouais, mais dans d'autres jeux. Ah bah oui, techniquement, on l'a fait dans Ocarina of Time. Continue à ce rythme, nous devons sauver les trois autres. Ok. Toutes ces méchancetés que je t'ai faites, ton cheval, je suis désolé. Bon, on avait déjà grillé qu'elle était sympa au bout de 10 minutes. Bon là, elle devient vraiment sympa parce qu'elle s'excuse. Pardon. Bon voilà, je me suis excusé, ça va maintenant, on est quitte. Alors, ne la ramène plus, ok. Bon, tu vois, elle est sympa mais un peu chiante. Bon, on n'a plus qu'à sauver la princesse comme nous l'a demandé le singe. Notre prochain arrêt est la montagne. Grouillons-nous, il faut arrêter Skull Kid. Montagne Goron, on est d'accord? Il y aura les Gorons? Ça fait plaisir de voir les Gorons maintenant. Enfin maintenant, pas encore. Là, il y a encore pas mal de choses à faire. Oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je speedrun comment là? On fait ça là? Bon, on fait ça, c'est une cinématique, de toute façon, c'est cool. Il y a bien un truc planqué là. Qui êtes-vous? Exelo, heureuse de vous rencontrer. Je suis la princesse Mojo. Ah mais oui, c'est bon. Heureusement, on sauve la... Imaginez qu'on revienne dans le temps avant d'avoir sauvé la princesse. Je pense qu'on va quand même avoir un petit cadeau. Est-ce que par hasard, le singe vous aurait demandé de me sauver? Attends, faut qu'on aille revoir les... Oh, on n'a pas le temps de faire tout ça. On n'a vraiment pas le temps. Mais on va quand même pas se retaper le donjon. Après, le donjon, c'est pas grave, si on fait pas l'effet, en vrai, on peut le refaire. D'en est où du jeu? Parce que je connais pas trop le jeu, donc je sais pas. On vient de finir le premier donjon. T'auras le boss à refaire juste. D'accord.
Donc le donjon, en gros, les portes restent ouvertes en fait. Tout ce qu'on a déjà débloqué, ça reste ouvert. Bah non. Si. Bon, on verra. Ah, c'est bien ce que je pensais. Vous sentez un peu le singe. Finalement, le singe a réussi à s'en sortir. C'est très bien. Après, techniquement, s'il nous reste plus qu'une minute, on peut encore le faire. On fait le champ. On se barre. On met ça à la banque. Et puis on revient dans le temps. En vrai, une minute, c'est large. Non ? Tu n'as plus besoin de refaire les fées. Tu es acquis. Oui, ça pour les fées, il n'y a pas de souci. Bonjour, feel free to keep talking français. Oh, hello, BR, how are you? Il me dit de parler français. I probably not going to talk. Ok, ok. Welcome. We are doing Majora's Mask. We are finish the first dungeon. It's all. Finalement, le singe a réussi à s'en sortir. C'est très bien. Ok. J'étais inquiète car je pensais que si mon père ne voyait pas rentrer, il soupçonnerait le singe d'enlèvement. Logique, c'est ce qui s'est passé. Et j'étais encore plus inquiète car je pensais que mon père punirait le pauvre singe. Et bah c'est ce qui s'est passé. Ah, trop marrant. Ne me dites pas que c'est pas possible. Est-ce que mon père va faire ça? Encore une décision prise sous le coup de la colère. Mais alors, nous n'avons pas de temps à perdre. Il reste une demi-heure. Vite, monsieur Exelo. Pourriez-vous trouver quelque chose pour me transporter au palais Mojo? Un aigle? Non, bah non. On la prend? Il semble que quelque chose sortait et utilisé maintenant. N'importe quoi devrait faire l'affaire. Quoi? On va la prendre dans un bocal? Non, c'est mort, on la met pas dans un bocal. Par contre, si on lui fait le chant, y a pas un chant où on peut lui enlever son âme? C'est le chant du... Ah, et on essaye l'autre de l'appel, peut-être on vient de l'apprendre. On essaye. Y, R, L... Merde, je me suis trompé de bouton. Si. Si, si, ta première idée était bonne. D'accord. Un peu... C'est débile. C'est complètement con. Bon. Merde, putain, c'est pas ça que je voulais faire. C'est complètement con comme idée. Ils sont débiles. J'aurais jamais testé ça. C'est vraiment le truc que j'aurais jamais testé. Mais en fait, ça sert à rien. On n'aura jamais le temps. Bon, si on a le temps, peut-être. Princesse Mojo. Putain, mais c'est pas chier. Bon, on se barre. Il n'y a pas de temps à perdre. Emmenez-moi vite au palais. Bah après, c'est la façon dont on l'a expliqué. Elle a dit prenez le premier truc qui vous prend par la main pour me prendre. Du coup, bah. Attends, on est où là? Là, on sort du donjon ici, du coup, on avance là. On est hyper pressé, putain! Je sais pas pourquoi j'ai pris ce masque là si on aura besoin. On est où? Où est-ce qu'on est? L'eau est cool. On est où? On est où? On est où? Je pense que c'est par là. Oui, c'est par là. Allez, cours, cours, cours. Il nous reste 4 minutes. 4 minutes, je pense. On est large, large, large. Bah limite on va aller directement au palais là. Ah non, c'est pas là le palais, merde. Si c'est là, si c'est là. Oh, il m'a fait peur. Ok. Ah, c'est là-bas. Bon, on est tranquille. Non, on est tranquille. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire faire là. On va lui livrer là. C'est horrible, monsieur Exelo. Vite, ouvrez ce flacon et relâchez-moi devant mon père. Bah, c'est ce qu'on va faire, t'inquiète. Il faut cliquer. Voilà, c'est bon. Ah ouais, ce jeu en fait, faut pas traîner. Bah non, faut pas traîner. Mais ouais, je pense que là, ce donjon là, on l'a réussi presque du premier coup. Mais les prochains, on n'y arrivera pas du premier coup. Mais ça va m'énerver. Hein. Parce que refaire un truc que l'on a galéré comme des cons, le refaire deux fois, bah la deuxième fois, ça va être facile, mais... Enfin, ça va être mieux, plus facile. Oh, ma princesse, ma tendre princesse, vas-tu bien? J'étais si inquiet. En vrai, t'as juste le temps de la ramener, mais pas le temps de faire ce que tu pourras faire juste après. Ou alors, vraiment, limite, limite. Donc, du coup, c'est mort. Non, je l'ai pas trouvé encore, le champ. Je sais pas où aller le chercher. C'est un... Si t'as un...
un indice, mais un micro-indice pour me dire par où il faudrait que je cherche. Parce que je... ça pourrait être utile quand même. Que faites-vous? Libérez ce singe à l'instant. Dans le bourg, je crois. Bon, on fera tout le bourg. Prochain... Bah là, il nous reste une demi-heure. On va pas commencer l'histoire. On va aller se balader dans le bourg pendant 3 jours. Oh, monsieur singe, je suis réellement désolé. Père fait des choses tellement stupides quand il est inquiet à mon sujet. Oui, moi comprendre, princesse. Vous oubliez ça, temple être redevenu normal. Eh oui, grâce à monsieur Exelo, ici présent, je lui suis sincèrement... Ou sinon, on finit tout ça. On recommence, on fait le donjon, on se TP et on termine. Peut-être qu'on va commencer par faire ça. Parce que si on n'a pas le temps de finir, là, je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup qu'on fonce pour essayer de terminer ça? Ou on recommence la journée et on va essayer de refaire ça tranquillement. F is the best, bienvenue F is the best, merci pour ton follow. Mais c'est fini, je crois. Tu penses? Alors, toi, t'appelais Exelo, non? Merci, toi, avoir tenu ta promesse envers moi. Tu n'auras pas le temps. Bon, Kana a l'air de dire qu'on n'a pas le temps, donc je vais te faire confiance en signe de gratitude. Bon. On passe le dialogue et on le refera correctement après. Là, on va juste se TP. On va déstresser, on va refaire le boss tranquillement, il est trop facile. Enfin, il est trop facile. Il se fait bien. Salut Bobby et bonsoir Nintendo Logi TV. Comment ça va? Alors, on va faire le champ pour quitter. Alors. Ah, comment allez-vous, vous tous? Et ça va bien. Donc là, on vient de finir le premier donjon. Le seul truc, c'est qu'il nous manque une partie de la quête à faire. Enfin, la fin de la quête. Du coup, on redevient au premier jour pour refaire le donjon très rapidement et finir la quête sans trop de stress. Et après, après, on ira essayer de trouver justement le champ pour ralentir le temps. Ça va nous être très utile. Déposer des rubis. Ok. Bah, connasse, je donne pas 5 rubis. Déposer des rubis. Voilà, c'est bon. C'est bon, on sauvegarde au cas où. Et on revient. Moi, chaque fois que je reviens dans le temps, j'ai l'impression que c'est une sorte de glitch. J'ai peur de le foirer en vrai. Champ du temps. Aoki, merci d'avoir expliqué. Ah oui, là où on en était. Donc, retourner à l'aube du premier jour. Oui. Ça a marché. Salut Bobby. Sur Nintendo 64, retourner dans le temps était le seul moyen de faire une vraie save. Ah, quand tu retournes dans le temps, ça sauvegarde. C'est cool aussi. C'est cool. Donc il n'y avait pas de sauvegarde devant les donjons et tout, mais quel bordel. On remarque sauvegarde devant les donjons. Parce que là, c'était relou. Enfin, il n'y avait pas de... Il n'y a pas les sauvegardes devant le boss et tout, enfin c'est normal, enfin c'est chiant quand même. T'es obligé de te retaper tout à l'envers et revenir dans l'autre sens. Ça ne sauvegarde pas, il faut que tu fasses la sauvegarde juste après. D'accord. Qu'est-ce que je voulais? Bah c'est bon. Et casse-toi toi, tu fais chier. On retourne, du coup, là-bas. Merde. Je pense que à la fin du jeu, j'aurais pas réussi à apprendre un seul des champs. J'arrive jamais à m'en souvenir. Donc là, on va. D'après Cuivreau, il reste plus qu'à faire le boss, donc tant mieux, on va voir comment ça va se passer. Alors. Donc on va faire apparaître le donjon. Encore un champ. Donc. La sonate de l'éveil. Donc le donjon, il est là. On va dedans. Parfait. Ok. Je suis tombé sur ça. Bon, les fées, on s'en bat les couilles, on est d'accord. Hein. Mais attends, mais on va devoir refaire tout le donjon. Si ! Non, on peut que faire le boss ? Présente-toi devant moi et montre-moi l'étendue de ta force. D'accord. Ah, tant mieux. Ah, ils sont sympas. Merci. Vous êtes gentils.
Voulez-vous aller dans l'antre du... Oh ! Oh ! Même pas besoin d'aller jusqu'à la salle. Merci. Oh, elle est sympa. C'est cool. Franchement, c'est cool que les donjons... Bah, c'est le seul Zelda où on peut refaire les donjons, en vrai. Parce que là, tranquille, hein. Ah, par contre, j'ai pas les noix, Mojo. Va falloir aller chercher des noix. Je pense qu'il y en a tout autour de nous. C'est cool parce que le faire deux fois, le boss, bah, ça fait plus peur, en fait. Enfin, faut s'habituer, quoi. J'ai deux noix là. Ok. C'est bon. Bon, maintenant plus qu'à faire le farm. Il est où ? Là. Ah bah. Ok. Dalila ! Ça, c'est la deuxième phase apparemment ? Ah non, il donne les araignées. De merde. Arrête. Dis-moi, Mojo, on en a combien? Je regarde combien il en reste. Il en reste 16. Tranquille. Tranquille. Ok. Ok. Oh bon, le bâtard. M'arrête. M'arrête. Oh le bâtard. Il sautille. Bon. Merde, qu'est-ce, quel con, quel con. Voilà. Ok. Bon. Parfait. Salut, bonne nuit Rathalos, bonne nuit. Alors, on va voir la petite dame. Tout, tout, tout. Salut, Rututur. Okay, donc là, on a le chemin qui sort derrière, qui va jusqu'au bout. Bon, on l'a pas fait tout à l'heure, ce chemin-là, si ? Non. Ah si, d'accord, si je comprends. Là, on arrive dans l'arbre, on est à la sortie du donjon. On va voir la dame qui est ici. On va la mettre dans notre bocal. Bon, ça, on l'a déjà fait. Hop là. Ne me dites pas. Donc ça c'est bon. Donc on la met dans le bocal et après on suit la cinématique. Hein. On va voir ce qui se passe après.
Ok. Allez, grimpe. Ok. Ça c'est bon. Ensuite là-bas. On rentre direct là et on libère la princesse. Voilà. Alors. Oh, ma princesse, ma tendre princesse, vas-tu bien? J'étais si inquiet. Père. Je sais pas quoi. Elle lui sautille sur le bide. Ah, elle l'attaque surtout. Que faites-vous? Libérez ce singe à l'instant! Trop bien. Une vraie princesse. Elle sort ses balls. Alors. Oh, monsieur singe, je suis réellement désolé. Père fait des choses tellement stupides quand il est inquiet à mon sujet. Moi, comprendre, princesse. Vous oubliez ça. Temple être redevenu normal. Eh bien oui, grâce à monsieur Exelo ici présent, je le suis sincèrement reconnaissante. Je lui suis, pardon. Vraiment, alors toi t'appelais Exelo, non? Merci à toi, a tenu ta promesse envers moi. En signe de gratitude, notre chancelier vous a préparé un petit quelque chose. Nous vous prions de l'accepter. Vous le trouverez dans le sanctuaire à droite du palais en sortant. La droite du palais en sortant. Ok. Dans le palais là. En sortant à droite. J'espère que c'est pas la gauche du coup en rentrant. Donc c'est ici là. Non peut-être. Ah d'accord, j'ai compris. Ça doit être ça là-bas. Oh mais sérieux. Oh, on arrête de Nintendologie TV. Bienvenue à vous tous. Comment ça va? Ah, merci pour le raid. Oh merde, 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 merde. C'est l'autre côté. Ah oui, c'est... Oh, c'est là-bas. Là-bas. Bienvenue. Ah. On est sur Majora's Mask. Je suis en train de découvrir Majora's Mask. Et pour l'instant, on vient de faire le premier donjon. Et là, on finit la petite quête, pour clôturer le donjon. Voilà, la quête qui termine tout ça. Et bon, ça fait quoi? 6 heures pour le premier donjon. Est-ce que ceux qui connaissent le jeu, ils savent bien ou pas comme score? Je pense que c'est pas ouf, je crois. Enfin, après, ouais, quoi que. Pour ceux qui l'ont fait le jeu quand ils étaient enfants, je pense qu'ils ont pris un an et demi déjà pour arriver jusque-là. en tout cas, bienvenue à vous tous. Vous étiez sur quoi? C'était encore entraînement au Spirit of Breath of the Wild ou autre chose? Non, c'est long, très long. Ah ouais? Ok. Exelo, je te suis sincèrement reconnaissant de ce que tu as fait pour la princesse. En signe de gratitude, nous, Mojo, avons préparé quelque chose qui pourrait t'aider. Je vais t'y emmener. Suis-moi, je te prie. Ah, Hyrule Warrior. Ah bah ouais, c'est pas mal ça. Vous commencez Hyrule Warrior avant la sortie du jeu, c'est cool. Enfin, avant la sortie du jeu. Faire le premier avant le 2. Alors, faut le suivre, c'est ça? J'ai pas trop lu le texte là. Bon, on le suit, hein. C'est vachement marrant de faire des trucs comme ça. Ils adorent nous faire des courses à la con. C'est trop drôle. Oh non, mais... Oh, quel connard.
En tournant rond là ou quoi? Non, c'est bon. Non. Ok. Ok. C'est trop bien, j'adore cette course. Alors, Hyrule Warrior, on a Hyrule... Yuga, c'est le mage. C'est qui Yuga? Avec les... Merde, j'ai perdu. Merde, merde, merde. Il est passé par là? Ouais, putain. Cool, 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 cool. Mais si on le perd, on est dans la merde. C'est un putain de labyrinthe. C'est énorme ce truc. C'est génial. Guess un antagoniste d'ALBW. Ah putain, quel loup. Non, 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 me perds pas, me perds pas, me perds pas. J'ai perdu. J'ai perdu. On doit bientôt être à la fin, c'est pas possible que ce soit si long. Ah, c'est bon. Ok. Ok. Merde. Alors. Oh non. Oh. Si tu le perds, on te fait recommencer de toute façon. Ok, bon bah on recommence. Tant, tout ça pour une chute de merde. Bon. On recommence, c'est parti. C'est cool, c'est trop marrant de faire ça. Et c'est lapin. C'est quand même... C'est cool parce que ça pourrait être chiant si le... Bah si les contrôles étaient pourris, mais les contrôles sont plutôt bons je trouve. Après c'est peut-être... Est-ce que ce serait plus facile qu'avec Link normal ou pas? Non, c'est pareil. Ah, au moins lui il court sur l'eau déjà, c'est pas mal. Ok. Ah mais j'aime bien le faire en mojo. Oh, je suis là déjà. Allez. Oula. C'est marrant les micro-lags là qui nous mettent. C'est relou. Ok. 1, 2. Ok. Salut Cavapollon, comment ça va? Hop. C'était à gauche, ok. Tu joues sur Citra? Ouais. Exactement, Iraxis. Moi je me suis dit que c'était plus beau sur 3DS. Et voilà. Après j'ai pas mis de patch de texture HD, c'était à gauche. Mais du coup il est déjà hyper beau comme ça. Je sais même pas si je vais en installer un. Étant donné que j'ai des petits lags par-ci par-là, faudrait peut-être que j'aille voir comment optimiser un peu tout ça. Et peut-être, je suis pas sûr qu'un pack de texture ça rendrait le jeu, ça ferait laguer en plus. Je vois même pas pourquoi il lag en fait. Mais sérieux? Mais putain, deux fois la même erreur de merde, ça me casse les couilles. Il faut faire comment? Ça m'énerve. Ah, j'ai cassé la caméra, je suis désolé. Putain, mais 40 ans pour de la merde. Attendez, je vous remets. Alors, hop. Vous êtes où? La caméra, la caméra. Putain, je déteste perdre. Voilà, je suis revenu. Nickel. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ce génie MDR. Attendez, la souris est là. C'est bon, tout est reparti.
Ah, une bonne petite rage. S'il gagne, tu dois lire le chat pendant 2 minutes tout en jouant. Tu veux qu'on lise le chat en... Bah, je peux lire le chat en jouant, hein. Je suis chaud, moi. En vrai, si je me concentre moins, j'arrive mieux, non? Mais c'est juste, ça dure 40 ans! Putain, ça m'énerve! Et voilà, elle casse tout. Mais oui, ça m'énerve. On va le connaître par cœur, leur chemin de merde aussi, là. En tout cas, putain! Bah, ça y est, on a perdu. En tout cas, merci F. Tu es un super streamer. Et bah, merci à toi. De toute façon, vu ton pseudo, ça m'étonnerait que tu m'envoies pas des fleurs. En tout cas, merci beaucoup quand même. Il rage. Oui, je rage. Je rage de désespoir. Putain. Pourquoi? Et c'est quoi les trucs à gauche là? Allez! Ah là! Ah là! Essaye de le faire sans le masque, Pierre. Allez, Link, Link, casse pas les couilles! Ok. Cours, 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 cours! Bon, c'est bon, on l'a rattrapé. Heureusement qu'il nous attend quand il va trop loin. Il est sympa. Mais putain, le mur! Mais cours! Hop là. Hop là. Droite. Et putain. Le Majora est quand même vachement plus maniable, hein. Enfin, le Majora, mais le masque. À gauche ou à droite? Droite. On l'entend plus, on l'entend plus, on l'entend plus. Mais putain! Mais je sais pas viser! Oh, coquet! Allez, cours! Allez! Tu me fais trop rire. Allez, fonce, fonce, fonce! On est à la fin, on est à la fin, c'est obligé. Oh, il est passé à gauche, il est passé à gauche, t'enfoiré. Et là, à droite. Oui, 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 on est arrivé! Bien joué, Xelo. GG, Xelo. Bravo, Xelo. Maintenant, voici l'objet que j'étais promis. Accepte-le, s'il te plaît. Un masque des parfums. Portez-le pour aiguiser vos capacités olfactives. Oh, mais il y a des masques tellement compliqués. Ça va être le bordel quand on aura 800 des masques. Il y a tellement de choses. En fait, quand je te regarde, tu me rappelles mon fils qui a quitté notre foyer il y a longtemps. J'avais l'impression d'être à nouveau en train de faire course avec lui. On dirait vachement... un anus vu de derrière. Oui, attends, je l'ai... Lui, là, oui. Exactement. C'est... Bah après, vu de derrière, ouais, bah un anus, quoi. J'ai peur d'avoir trop essayé de me dépasser. Je ne suis plus aussi jeune qu'avant. J'étais obligé d'accepter le message, j'ai pensé pareil. Excuse mon impolitesse, entre dans la lumière... Attends, excuse mon impolitesse, entre dans la lumière près de moi. Si tu souhaites sortir d'ici, j'espère que nous nous reverrons. Fais bien attention à toi, Xelo. Heureusement qu'on l'a pas fait pendant qu'il restait que 3 minutes, hein. J'aurais explosé un câble. Ok, c'est bon. Le drame des Mojo, c'est fait. Donc, ok, encore une quête de fête. Alors, faut aller... Non, y a rien là. En gros, c'est fini, c'est ça? Non, on est pas censé... Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends. Ah si, il faut peut-être utiliser le... On a eu un masque là. On a eu un masque, on va peut-être le mettre. Masque. L'homme au sport, on va le mettre ici. C'est pour renifler quoi?
Alors. En fait, quand je te regarde, tu me rappelles mon fils. J'ai l'impression d'être à nouveau en train de lui faire la course avec lui. J'ai peur d'avoir trop essayé de sauver mon cousin. Excuse-moi, on a pris dans la lumière. Bah. Moi, si tu souhaites sortir d'ici, j'espère que nous nous reverrons. Salut. Bon, bah, salut. Non, il m'a juste donné un masque en fait. Y a rien à faire ici. Ok. Il sert quasi à rien ce masque en plus. Ah, ok. Et. Bon, bah, tant mieux. Bon, au moins, ça fait un masque qui va pas trop nous saouler. T'as capté du coup, c'est qui le fils? Non. C'est qui son fils? Attends. Non, j'ai pas capté. Attends, pourquoi? Bah, c'est un cochon son fils. Ah non, attends, c'est qui ça? Toi? Comment ça, toi? Je comprends pas. Bah, j'ai pas compris. Attends, on y retourne parce que j'ai pas compris. Toi en mojo. Ah! D'accord. Si t'as pas compris, tu comprendras pendant les crédits de fin. Ok. Bah, je comprendrai pendant les crédits de fin. Bon, pour l'instant, on a fini ça. Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Est-ce qu'on retourne chercher pour se balader dans la ville jusqu'à ce qu'on trouve le champ? Il est déjà minuit. Bah alors, il est minuit, du coup c'est obligé, on va faire ça. Alors vite, 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 Ocarina! Attendez, est-ce que j'ai le temps d'utiliser l'Ocarina quand je suis en train de grimper sur un truc? Oh! Ok, ça c'est parfait. Le champ de la téléportation. Ça c'est cool, Link, il fait des trucs dans l'eau. Re, Alicia. Bon, on va à Bourg-Clocher et on trouve le champ du temps. Enfin, du ralentissement du temps. Il faut qu'on apprenne à ralentir le temps. Ça va être primordial pour la suite parce que là, ça va plus le faire. Ça va plus le faire. Là, on est au premier jour, je crois. Ouais, on a presque fini le premier jour. On sauvegarde, comme ça au moins on est sûr d'avoir fait quelque chose. Être en homme cochon, je pense qu'on s'en bat un peu les couilles. Donc on va peut-être plutôt garder... on va garder le pot là, on va le mettre là. Alors, comment on va le trouver? Attends, une petite minute. Ah mais ça on l'a déjà fait lui. Ah bah oui on l'a déjà fait, je suis con. Normal on l'a déjà tout fait, on revient dans le passé, c'est de la merde. Du coup, lui là, on peut lui parler à elle? Elle a encore grossi, c'est pas bon. Ah bah non, c'est pas bon. De toute façon, demain, après-demain, vous vous barrez tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait le trouver, le champ pour ralentir le temps? On va se balader. Qui pourrait nous donner ça? Le maire. On va aller voir la mairie. Ah, aussi. Ouais, non. L'hôtel, ça va pas trop nous servir. Si, on peut essayer l'hôtel. Ça ouvre à 8h. Il est 1h. Ok. C'est vrai qu'il y a les horaires. Voilà. Bah sinon, je sais pas. J'aurais peut-être été... Bon, je me balade un petit peu. Pendant un quart d'heure. On se laisse un quart d'heure de délai. Sinon, un quart d'heure, j'ai pas trouvé... Oh putain, mais tout est fermé. Bon, on va peut-être aller trouver un épouvantail. Là, c'est la grande fée, on s'en fout. On peut aller... On va aller... je sais pas quoi faire. T'as Discord avec glitch? Oui, point d'exclamation Discord si tu veux avoir accédé au serveur. Alors ça, déjà, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a les capacités intellectuelles d'y arriver? Non, à mon avis, il faut remonter le toboggan. Et pour remonter le toboggan, il faut un masque qui nous fait courir vite, un truc du genre, non? Bon, non, peut-être pas. Attendez. On va essayer de... Bah si, ça marche. Bah, attends, si j'ai réussi à aller jusque là, c'est que c'est possible. Bon, est-ce que je vais y arriver? On va le faire. Bon, on prend de l'élan et on y arrive. Je veux y arriver. Attendez, pourquoi ils nous font redescendre à des moments? En fait, faut juste être précis, c'est ça? Bah, les plateformes, on peut pas monter dessus? Ah si, d'accord. Non, je pensais qu'elles étaient trop hautes. Bon, nickel. Mais jamais je vais jusque là-bas, par contre, en ce temps-ci.
Maxi, même en ralenti. Nickel. Bon bah parfait. Bon bah nickel. Bon ça c'est fait. Tingle il est là. On peut lui acheter une carte à Tingle. On a que 22 pièces. On peut pas lui acheter de carte. On va essayer de... On va looter un peu d'argent. On va looter un tout petit peu de thunes. Allez. Alors. Comme ça, on va avoir une carte en plus. Au moins, on aura fait un truc intéressant. On a chopé. Je suis jamais venu ici. Il y a un trou. On teste le trou. Moi, je vois un trou, je fonce dedans. Let's go. Qu'est-ce que ça va être? Oh. On va prendre la plus grosse, hein, comme d'hab. J'ai l'impression que mon cœur est mis à nu. C'est très dérangeant. Il ne reste que 49 minutes. 49, oui. Y'a vraiment que ça ici? Non. Quelque chose, non? Déconne pas. Bon. Au niveau des champs, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le champ du temps, non. Le champ de l'apaisement. Son cœur est mis à nu, on a envie de l'apaiser. On essaye. X, Y. Ça fait rien. Ensuite, il y a quoi d'autre? Le chant du... sonate de l'éveil. Ok. Non, ça sert à rien. Ensuite. Le chant, l'aude à l'appel. Je sais même pas ce que ça fait, l'aude à l'appel. Y. C'est chant qui nous a filé un chant, mais qu'on ne nous l'ont pas fait essayer. Du coup, on sait pas ce qu'il fait. Enfin, on sait pas quand est-ce qu'il peut être utile et je trouve ça un petit peu embêtant. Bon bah, ça marche pas. On a rien d'autre. Inventaire. Des noix, des flèches. Flèches dans l'œil vu que c'est des yeux, je sais pas. Merde. Non, je crois pas. Bon, bah on se barre. Super, on se casse. Elles m'ont saoulé. Donc bah ça, on trouvera plus tard à quoi ça sert. Pour l'instant, on n'a aucune idée. Voilà des herbes. Pourquoi ça lag comme ça, là? Oh, cool. Alors, ils sont pas radins niveau rubis dans le jeu. Mais je pense que... il va bien y avoir des trucs très très chers, je pense. Ah, je sais pas. Mais à chaque fois, on s'en sort avec au moins une centaine de rubis. C'est quand même pas mal. Là, il y en a énormément, là. Voilà, on s'est fait une trentaine de rubis, là, en 2 secondes. C'est quoi, ça? Alors, attendez, juste. Oh, des bombes. Il est gentil, lui. Non, il est pas gentil. Oh. Ok. Ça fait trop peur, ces trucs-là. Je dis, merde, il y a un boss. Et non, il n'y a pas de boss. C'est juste... de hop du deuxième jour. Quelle beauté. Quelle beauté, ce monde. Oh, c'est qui, lui? Un Bomberman. Oh, une flèche. Nickel. Oh, ça. Oh, on peut pas. On n'a rien pour l'y mettre. Il y a trop de trucs, il y a besoin de tellement de choses. Et puis quand on perd tout à chaque reset, c'est... on est obligé de le prévoir à chaque fois. Enfin, c'est pas chiant, c'est marrant, mais si, c'est un peu chiant quand même. Bon, on est le lendemain. Donc on va aller mettre placer une bombe là-bas, comme vous avez dit. Et après, on va se balader dans la ville. Pourquoi ça lag? Tête. Alors.
Bon bah. Super. Mais du coup, il y a vraiment que dalle ici. Bon, on va remplir notre pot de d'insectes. Donc c'était juste pour ça le pot. Non, pas le pot mais. Alors, j'ai pas compris à quoi ça servait. Qu'est-ce qu'on vient, enfin, il y a rien à faire ici. À la limite, j'ai baissé la qualité graphique, hein, si ça lag comme ça. J'ai mis du... je sais plus combien. Juste assez pour que ce soit plutôt pas mal, mais... Il y a 4 grottes à faire le même jour, du coup. Enfin, le même, pendant le même cycle. Bon, bah, on n'y est pas. Hein. Non, c'est sauvegardé entre les cycles, ou pas? Des flèches? Super. Bon, allez, on retourne dans la ville. Oh. On retourne dans la ville. Bon. Où est-ce qu'on peut... On essaye ça? On peut essayer ça, on est tranquille. Il est quelle heure là? Il est 9. Bon, au moins on va peut-être gagner un truc, je pense que ça va être un réceptacle. La classique. Mais c'est même pas sûr qu'on y arrive en fait. Alors. Meilleur score c'est 30, faut faire plus de 30. Comment on fait pour tirer? Ah, pour pas tirer sur les bleus, ok. C'est plutôt facile, ça va, là pour l'instant. Ah, on fera pas 30. Il manque, j'ai pas cette flèche ici. Ah si, on a cette flèche, c'est infini. Merde. Ok. Merde. Nouveau record, voilà pour toi. Oh non. Merde, je m'attendais à un réceptacle. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire 50 pour avoir un meilleur cadeau? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Est-ce que je le tente ou pas? 50, en vrai, c'est possible, mais... Soit 50. Ok, bon allez. Let's go. On fait un 50. Putain, on a raté. Dommage. Bah, je crois que c'est mort du coup. La hitbox est sympa en vrai. Putain, il m'en manquait 3. 3, c'est énorme. C'est hyper dur. On va jamais y arriver.
Bon, en tout cas, on est rentabilisé quand même. Mais putain, c'est chaud. En vrai, c'est kiffant. J'ai eu peur. C'est stressant. C'est grave stressant. On s'est passé. Tu crois pas? C'était parfait. Et bien voilà pour toi. On a fini. Ah putain, j'aime pas ça. Ah je... Alors mais ça, mettez la même chose en difficile, enfin avec une hitbox de merde, mais j'aurais rage quitte. Bon là ça va, bon je suis content. Ah, quelle tension. Et il est quelle heure là? 14. Il est quelle heure dans la vraie vie? Dans le vrai jeu? 2 heures, ok. On a encore un peu le temps. Il joue à la balle. Bon ça c'est fait, on va essayer... Ah bah, et quitte à faire du cerf à l'arc, on continue. Manège des amoureux. Jette une bombe dans chaque panier le temps que nous dansions sur cette chanson. On n'a pas assez de bombes, si? Ah, une bombe dans chaque panier? Non, c'est plus ça qu'on voit. Ça marche pas? Ah, c'est bon. Ok. Mais merde! Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh là, ça va être trop dur! Oh là là! Putain, mais quel con! Quel con! On recommence. Bon, en vrai, je pense pas que ce soit très très dur. Le problème, c'est que s'il faut retrouver des bombes à chaque fois, c'est des enfoirés s'il faut retrouver des bombes. Non, c'est bon, on est full bombe. Merci. On a plus que 26 rubis. C'est vraiment de la merde. Bon, c'est passé. Heureusement que c'est limité. Hein. S'il fallait réussir à toutes les situations du panier et obtenir un score parfait, partageons notre joie avec... Obtenez un ticket de pêche. Utilisez-le dans un stand de pêche pour emporter gratuitement une canne à pêche. Ok. C'est fini? On va me donner un peu plus de spectacle pour la peine, la mort. J'espère qu'il n'y a pas besoin de le faire deux fois. J'ai pas envie de le refaire. J'ai pas envie de le refaire. On le fera peut-être s'il y a besoin, mais... Bon, ça c'est fait, c'est cool. Au moins on a fait des trucs stylés. Au moins on sait à quoi au moins ça c'est fait. Ça, c'est quoi déjà? C'est le... Je sais pas, on va voir. Il faut faire sur 3 jours pour le réceptacle. Ah.
Et c'est réservé aux membres, nous refusons une personne de preuve d'addition. Bon, je dois nettoyer la salle, alors tant que tu restes pas dans mes pattes, tu peux rester. Ok. Bon, on se barre. Je sais pas, il y a peut-être un truc à faire, mais je vois pas trop. Ah, si. Il y a un truc à faire, là, non? Non. Bah, sûrement, mais... Bon, pas pour l'instant. Je pense qu'on n'est pas encore au truc. Ah! Non. La musique de ce bar, j'aime trop. Pas de rubis. Le truc de pêche, j'espère qu'on va le garder. Hein. Ça, c'est l'hôtel. On s'en fout de l'hôtel. On a déjà tout loot. Enfin, on n'avait rien trouvé la dernière fois. Ensuite. Bourg clocher. Donc ça, c'est bon. Bah tiens, on va faire une sauvegarde au cas où. Tadam. Oh, ça va, ça. À l'est, il y a un réceptacle facile. On va essayer. Alors, à l'est, il y a... Ah, tiens, ça. Non, la fée, on s'en tape. Oui, on s'en tape, la fée. Un truc facile à l'est. Ah, ça, on l'a jamais fait, je crois. On n'a jamais été là. C'est vraiment à l'intérieur de la banque. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bienvenue, c'est le petit Kikoukis à les masques, ça te dit de jouer. D'accord. Bon, c'est nos derniers rubis, hein. Faut ouvrir des coffres au hasard, c'est ça? Y'a un coffre tout en haut à gauche. Il va bouger. Ben, c'est sûr. Ok, j'ai compris le concept. On est encore bloqué. J'ai fait de la merde, je crois. J'ai fait de la merde, putain. C'est mort. On a perdu 20 rubis, putain. Putain, ça me casse les couilles! La merde, casse-toi, grosse connasse, je te déteste! Putain, 20 rubis! Bon. Bon bah à l'est, je vois rien d'autre. Hein. Au-dessus là, tu crois? Bon, la flemme. Tu fais trop rire. Bah, hey, tu n'es pas à l'est. Qu'est-ce qui est marqué en plein gros milieu de l'écran? Est de Bourg-Clocher. Explique-moi si c'est pas à l'est. C'est là où tu achètes les bombes. Bah, c'est marqué à l'est. Hein. Moi, je suis désolé, on est à l'est, là. C'est marqué là, on est à l'est. Nord, sud, ouest, est. C'est à l'ouest, alors. C'est à l'ouest, ok. Tu n'es pas à l'est. Casse-toi, toi. T'es pas à l'est. Là, on est au sud. Lui, il va nous saouler. On va... Donc là, il y en a un facile. On va voir. Il fait nuit, on peut pas aller dans les magasins la nuit. Là-dedans, là ? Loterie. On a pas d'argent, putain. Là-dedans. Les lapins. C'est fermé. Là. Ouvert. Stylé.
Et quand tu as fait tout à l'heure, on va les payer. Bah, on s'arrête là-dessus, ça vous va? On finit le live là-dessus. Avec la lune qui se rapproche, le nombre de personnes terrifiées augmente sans arrêt. Mais lorsque tu atteins un bon niveau de maîtrise, tu n'as vraiment rien à craindre. En suivant un entraînement au ce centre, tu pourras atteindre un niveau de maîtrise de physique spirituelle supérieure. Qu'en dis-tu? Putain! C'est trop cher! Tu n'as pas de rubis, mais connard! On a pris le truc à un rubis du coup. Merde. Ok. On va aller faire quoi? C'était quoi qu'il voulait? J'ai pas lu, j'ai encore pas lu. Appuyer. Après avoir verrouillé, pousse vers l'avant et appuie sur B. Ok. Attaque sautée. Ok. Tu fais plus sur R. J'ai pas lu ce qu'il a dit. Putain, j'ai encore pas lu. Pour parer? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est fini? Quand tu affûtes ton talent à l'épée, c'est guise. Alors qu'en dis-tu? C'est fini? On a fini là? Bon bah. Ah. Attends, j'ai raté un truc là ou? Bon, j'ai apparemment. Bon. Faut payer 10 balles. On n'a pas les 10 balles. Eh ben, on va sauvegarder. On change de jour. Et on re-sauvegarde après. Bon, on change de jour, on sauvegarde et après on s'arrête là. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire. D'accord. Eh ben, on n'a pas les 10 euros. Bon, ok, bon, pour te faire plaisir, on va chercher 10 balles. On va chercher 5 balles dans la banque. On chope le réceptacle et puis c'est bon. C'est bon, on a 15? Bon, on a 15. Alors. Alors, 10 bûches en utilisant la technique la plus difficile. C'est quoi la technique la plus difficile? Ah, ils sont où le bout de bois? Là-bas. Là. Mais arrête! Mais connard! C'est ça, expert? Ah, le coup sauté! Putain, on a perdu 10 balles encore! Connard! Putain, nique ta mère! Mais ils pourraient l'écrire à l'écran, ces enculés là! Fais une attaque sautée, putain! On chier! On va prendre 15 balles parce qu'on va se foirer encore une fois, c'est obligé! Hein, on est sûr qu'on va se foirer parce qu'on se foire tout le temps dans ce jeu! Allez, ferme ta gueule, on se barre! Tu pues! Bon, faut target sauter! J'ai fait le truc à un balle, putain, mais nique ta mère! Casse-toi! Pff, sale bâtard de merde!
Qu'est-ce que tu veux? Un saut sur le côté, on te fait un saut sur le côté, enculé, va. Faire quoi? Un coup éventail? C'est quoi un coup éventail? Ça là? Un coup desktop? C'était quoi qu'il voulait? J'ai pas lu encore, je lis pas! À l'avant. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Écris-le sur l'écran tout le temps, enculé! Je sais pas ce qu'il veut! Appuie sur L pour... Appuie... Ok. C'est de la merde, cette attaque! Le cours expert est une séance d'entraînement. Tranche les 10 bûches en utilisant la technique la plus difficile. Si tu fais... Bah je l'avais lu en fait. C'est juste qu'il aurait pu le dire qu'il fallait faire une attaque aérienne, ce fils de pute, au lieu de dire que c'est la plus dure. Alors. Oh non mais j'ai perdu! Non j'ai pas perdu. 1, 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, on aura que 9, c'est sûr. Ta mère, fils de pute, putain! Il nous manque un rubis de merde! Ta gueule! Ta gueule! Mais je veux pas te parler! Voilà. On est tous passés par là, bon. Ça va. Bon, ils sont où les rubis là? Y'a pas une caisse de merde là? Y'en a tout le temps des caisses, y'en a plus maintenant! Ils ont tout pété! Ta gueule! Ah! C'est de la tcha! Bon, on va aller à la putain de banque, parler à le gros connard pour lui piquer un putain de rubis de merde! Allez, ta gueule! Gna gna gna, oui, un rubis, yeah. On en prend 11. On en prend 11. J'en suis sûr qu'on va se poirer. C'est obligé. Te voir t'énerver me fera toujours rire. Tant mieux que ça vous fasse rire. Et que ce soit pas pitoyable, moi ça me fait rire aussi de m'énerver. Bon. Alors, comment on fait une attaque aérienne déjà? Mais putain! Mais connard! Ça me casse les couilles, mais c'est de la merde! J'ai envie d'enculer cette manette, mais ta gueule! Bon, on s'entraîne à l'attaque. Alors, faut viser et faire quoi? Appuyer sur A. J'ai appuyé sur B comme un gros con de merde. Putain! Heureusement que j'en ai pris 20 des rubis. Hein. Mais j'en aurais dû en avoir besoin de 10 000. Et on n'arrive même pas à les faire comme... Ta gueule! C'est pas suffisant, bah je t'emmerde. L'expert, il t'encule. Allez, go. Mais putain! Mais putain! Je déteste ce jeu, mais je déteste ce jeu. Allez, casse-toi!
On va chercher 40 rubis de merde. Oh putain. Pleure pas. Putain. Aïe, ah, je connais un résultat qui est facile. Bah va te faire foutre. Il est pas facile, ton attaque de merde là. 40, on va prendre. Vas-y, on en prend 100, nique ta race. Allez, on se concentre. Il faut avancer, appuyer sur A, je crois. Mais putain, mais ça marche pas! Mais putain! Sortir l'épée en avant, c'est vraiment de la merde. Ah bah si, ah bah. Alors ça marche pas si on sort pas l'épée en avance, putain! Mais ça me casse les couilles! Allez, connard, va! Non, on s'arrête là, ça va bien se passer. J'ai fait encore un! Bon. Expert, putain d'enculé de merde. Mais connard! Mais putain! Mais... Navrant, monsieur Poitin. Allez. Non! Vous faire quoi? Mais putain, mais... Ok. Salut Jérémyard, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, mais écris-le! Putain, mais c'est de la merde! Décline ton épée en appuyant sur L et en appuyant putain d'attaque de merde, mais c'est quoi? Oh, une attaque sautée, ok, on met une attaque sautée. Je vois que tu joues au meilleur remake, ouais, ouais, c'est le meilleur remake, il est super cool, on s'amuse super bien, c'est trop marrant, putain! Un! Deux! Trois! Quatre! 5 6 Si on rate, mais je le cul. 7
7 8 9 Trop facile. Bon, moi c'est trop facile. Tu perds. Où est la difficulté? Ou nulle part. On en reparlera quand il faudra faire quelque chose de difficile. Là. Je pensais pas rire autant sur du Zelda. C'est marrant Zelda. On s'amuse bien. Moi dans ma mémoire ce tuto ne demandait pas de temps. Autant de focus. Ok. Bah ouais. Super. Bon, on se casse. On arrête de jouer à ce jeu. On recommencera la prochaine fois là. Demain on joue à Among Us. Et puis jeudi on joue à ce putain de jeu. Alors on change de jour. On fait une chanson. Hop là, une belle chanson, super. Ok. Ah, ça, on va pouvoir se détendre. Super. J'espère que vous avez passé un bon live. C'était trop trop cool. C'est quoi l'objectif de ton let's play? Jouer au jeu. J'adore être réveillé par les doux hurlements de rage d'Eff. Ah. Ça t'a réveillé. Bah... Bienvenue. Bienvenue sur cette fin de live. Que d'amertume dans ta voix. Amertume? Aucune amertume. Non, j'arrive à la fin. Oh oui, bah tu peux regarder tout le replay. J'essaierai de faire des petites VOD de 2 heures, je pense. Ou 1 heure et demie, je sais pas. J'essaierai de bien découper. On verra. Je me suis énervé qu'à la fin. Oh pff, non, je me suis énervé dans le donjon aussi. Bon, je me suis pas énervé beaucoup dans le jeu. Hein. Tiens un peu quand même, mais... Voilà, bref. On va sauvegarder, on se barre. Je veux plus jamais en entendre parler de toutes ces conneries là. On a combien de cœurs? 5 cœurs! Attends, il nous en manque un. Il nous manque encore un réceptacle et on a un cœur en plus. On sauvegarde, on se casse. C'est bon, c'est sauvegardé. Au revoir, Alt F4. J'ai tellement envie de Alt F4, mais sévère. On peut pas. Voilà, c'est bon. Casse-toi.